Hey, salut les gamers, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour un nouvel épisode stream de Vampire et sûrement le dernier épisode de notre série sur Vampire. Du coup, la dernière fois, on avait terminé... Alors, ça fait un petit moment. Est-ce que c'est celui-là ? Épisode 28. Ça m'a l'air pas trop mal. Vous voyez pas les pouvoirs, j'ai ma tête dessus, mais bon, on s'en fout, c'est pas trop grave. Alors, deux petites secondes que j'affiche. Hop. Vous allez voir le tableau de bord. Je suis là. C'est un peu le bordel parce que ce jeu est, comme il est vraiment très mal optimisé, je peux pas le mettre en full screen en mode. Voilà. Donc, hop. Je peux pas le mettre en full screen pour l'optimiser. Donc, je suis obligé de faire une capture de la zone de jeu. Alors, je sais pas si c'est bizarre. J'ai des traits en haut et en bas. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, on avait buté Orsi, on avait fini le. Comment s'appelle ça, son entrepôt, je crois. C'est ça, ouais, l'usine d'Orsi. Ça s'était plutôt pas mal passé. Et maintenant, il fallait aller poutrer Vukovdlak. Alors, vu qu'on est plutôt pas mal stuffé, alors je me souviens quand même qu'on avait les lance-roquettes. Alors, faudra pas oublier à utiliser les lance-roquettes, mais il faudra faire gaffe à pas s'en prendre plein la gueule non plus. Donc, du coup, on va pouvoir se diriger vers. Vers l'usine d'Orsi. Donc, alors normalement j'ai mis à jour, ça devrait pas poser de problème et on a la fameuse cathédrale de chair pour aller taper taper Vukovdlak. Donc voilà. Alors je suis assez content, mais ça commence à être assez long. Je suis assez content d'arriver à la fin, mais il faut quand même que je me tape la cathédrale de chair, qui est quand même un truc assez long à faire. Et on y va, on perd pas de temps, on s'en occupe. Alors je crois que la, ouais, c'est assez long, ouais. Il y a les ghouls et tout ça, donc il y a tous les tsimissés. Voilà, je tiens à faire la cathédrale de chair. Et je tiens à terminer ce jeu parce que je commence à en avoir un peu ras le coquillard de ce jeu quand même. Je veux dire, c'est pas que je l'aime pas, mais voilà, il est un peu long. Allez, les ghouls guerriers. Voilà. Donc ça, franchement, ça va aller assez vite. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir plutôt pas trop mal. Allez. Bon, sauf si Christophe meurt. On va mettre tout le monde en attaque, comme ça tout le monde va attaquer un peu tout ce qui passe. J'y vois un peu plus là. On va aller chercher des objets. Je suis pas allé vendre les bordels et tout ça parce que globalement on est à la fin du jeu et ça servirait pas à grand chose et j'ai du sang à poison. Par contre, les enfants, ça serait bien que vous. Revenez ! Halt ! Ouais, voilà. Parce que dès qu'ils sont en attaque, en fait, ils se regroupent pas. Voilà. Donc là. Hop. Voilà, il faut que je le termine. J'aimerais bien le terminer sur cet épisode-là. Oula, c'est quand même assez sombre. Pour les timisser, ça va vite. On a les chargeurs de fusil, mais ça sert pas trop à grand chose. Et j'y vois vraiment que chi. J'y vois vraiment que chi. Ah, fallait que je le termine. Faut que je le termine. Je le termine. Voilà. Je sais pas où je vais. Franchement, j'en sais rien. J'ai. Oh, un Vosd. Allez au diable. Normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes. Voilà.
Il était gros quand même. Hein. Il était gros, mais voilà, on lui a pété la bouche. Je récupère quand même, on sait jamais. Si jamais je vois que je galère sur beaucoup de lacs. Ce qui relativement devrait m'étonner. Enfin, faut savoir quand même que les boss sont assez. Sont vachement plus violents que les ennemis de base. Et qu'on se retrouve quand même avec un niveau qui est quand même vachement différent. Donc du coup, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. 2 secondes. Hop. Je vérifie juste un truc. On est plutôt pas mal. Non, on est plutôt même très bien. Hop. Donc du coup, vous allez voir mon bureau. C'est pas grave. On s'en fout. Et on va faire des sauvegardes vu que c'est la dernière. C'est la dernière partie. Enfin, j'ose espérer que c'est la dernière. On va tout faire pour que ça soit la dernière. Ouais, j'y vois quand même que dalle. Hein. J'ai beau avoir un écran plus grand. J'y vois quand même que dalle. Voilà. Ouais. Ça fait mal. Voilà. Il faut quand même le finir ce jeu. Voilà. Prends ça. Petit malotru. Un revolver. Ça sera pour toi. Donc du coup. Lily. Allez, tiens. Un peu de sang. Voilà. Elle se soigne. Et on est bien. Je pense que la cathédrale de chair, c'est un peu une. C'est quand même le dernier niveau, mais c'est un peu une formalité hein, finalement. Parce que tous ces ennemis-là sont pas compliqués, ils font mal, mais. Il ramasse très vite au niveau corps à corps. Voilà. Et là, on a le tome de l'animalisme. Je sais pas si il a déjà. Du coup, Lily, elle va prendre et voilà, l'animalisme. Voilà, hop, ça c'est fait. On est très vite loin de. Veste pare-balles médium. Alors, fais voir. 30, 45, 20. Ouais, c'est de la merde. Ah, du coup, 10-10, et ça, c'est 10-10. Voilà. Ah, bah, tu sais quoi ? Hop. C'est magnifique comme ça. 30, voilà, on est tous bien équipés. Ils sont tous bien équipés. Ce qui va nous servir, ça va être les lance-roquettes contre Vukodlak. Ça va tellement lui faire mal dans sa petite tronche. Alors, on avance. Alors, je sais pas trop où je vais, et puis c'est sombre, mais c'est sombre. C'est sombre, les enfants, c'est sombre. Ah ouais, il y a ça, je m'en rappelle. Oula, il y a un cadavre suspendu. Et là, cathédrale de chair niveau 2. Ouais, mais on va raser le truc. Cœur de la cathédrale fermée. D'accord, ça doit être pour un retour. On se soigne, on peut pas passer par là. Il me semble que j'ai oublié pas mal de trucs, mais j'aimerais bien raser tout en fait, ça peut être sympa quand même. Peut-être qu'il y aura un aller-retour, qui sait. Un aller-retour pour le pieu, on s'en fout. C'est de l'argent, mais on s'en fout. Là, on arrive ici. Ben, je crois que j'ai tout fait, hein, finalement. J'ai fait tout le tour, mais il y avait des ennemis ici. Je regarde, on sait jamais. Non, bah non, je vais arriver par là. Ok. Bon, bah ça va vite. On va passer au niveau 2, on va faire une sauvegarde pour éviter de tout recommencer, ça serait dommage. Ta-ta-ta-ta-ta. C'est par là. Enfin, je crois. C'est par là. Je crois que j'ai fait le tour. Ça va aller assez vite, hein. On va aller arriver à Vukodlak assez vite, je crois. Il me semble que ça va très très vite. Alors allons-y. Voilà. Cathédrale de chair numéro 2. On enregistre. On était à cathédrale de chair 1. Voilà. Cathédrale de chair 2. Voilà. Pour pas mourir.
parce que ce serait vachement dommage. Allez les gars, viendez. Ça, ça meurt vite. Et c'est quand même les premiers ennemis, on fout les premiers ennemis à la fin. Donc je veux bien que ce soit des petits missiles. Mais la boule guerrier, c'est peu une formalité. Qu'est-ce qu'ils ont fait tomber? Ils n'ont rien fait tomber de toute façon. Hello! Allez, tous à l'attaque. Ah, Libussa. Qu'est-ce que tu fais là, Libussa? Ah, de l'argent. Plein d'argent. Enfin, ça sert à rien. Je crois que j'ai le meilleur. De toute façon, j'ai le meilleur stuff. Hein, donc. Hey. Le maître s'est réveillé. Que la mort s'abatte sur vous tous. D'accord. Et on peut pas la tuer. Ok. C'est tout. Ok. Moi je m'attendais à plus quand même. Là il y a un passage, mais on va passer par là pour voir. Ouais, ça doit revenir au même. Tranquillou. De toute façon, j'ai des parchemins de mêlée s'il faut. Ah, par contre, là, les chiens démons. Bah non, en fait. Les chiens démons qui rien du tout. Il y a trois boules guerriers. Et un Slarta avec... Allez les enfants, on y va. Et voilà, ça meurt. Allez au diable. C'est parfait ça. Tout le monde est meurt. Allez les enfants. Ma colère se déchaîne. Allez. Le chien, comment ils ont volé. Allez lui péter sa gueule. Et voilà, pendant qu'il regarde ailleurs, hop, on tape, on tape, on tape, on tape. Ah merde, Lily est mort. Ouf, il m'a tellement fait mal. Allez, pétez-y sa gueule. C'est bizarre que je me régène pas plus vite. Alors, donc du coup, maintenant qu'on a les parchemins de l'éveil, hop, on va utiliser le parchemin de l'éveil sur Lily. On va lui donner le sac de placement. Voilà. Et un et deux. Et elle va se soigner. Voilà. Et toi, mon cher Samuel, tu vas donner un sac de plasma. Voilà. Tu vas le prendre et tu vas te soigner. Voilà. On est plutôt bien, hein, on est plutôt bien. Voilà. De toute façon, j'ai pas besoin de plus de place. Donc, vous voyez, hein, de toute façon, arrivé à la fin, on est tellement puissant. C'est quoi ça? Un coffre. Parchemin de l'éveil. Bah, c'est très bien. Il faut des parchemins de l'éveil. On est tellement puissant à la fin que ça en devient... Ça en devient pathétique. Voilà. Et ça, c'est quoi? De l'antidote. Alors ça, on va prendre, je sais plus. Ça doit pouvoir servir à quelque chose. Bon, je suis bien content quand même de terminer. Hein. Faut terminer, faut terminer. Petite sauvegarde. La sauvegarde de la peur. Parce qu'on arrive à la fin. 4 années à le cher. 2, 3... Voilà. Et là, on est à... C'est peut-être pas vu Kodlak encore. Ah, ben si.
On est à la fin. Waouh. Eh ben. Hop. Hop. On va distribuer tout le bordel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Franchement, ça va leur suffire. Moi, je reste sur la vie, je bourrine. Allons voir, allons voir. Oh, toi, Christophe. Je te souhaite la bienvenue en ma demeure. Salut, Vuko. Ça tombe bien. Tu assistes au début du nouvel âge, comme tu as assisté à la fin de l'ère précédente. Cette fois encore, je serai la cause de votre chute. Oui, mais je ne m'étais pas encore réveillé. Ton intervention inopportune m'a certes retardé d'un millénaire, mais j'ai toujours été tard et patient. Toujours, moi aussi. Maintenant, en plus, je suis omnipotent. Vous faites erreur. La statue d'Orsi prévue pour le rituel n'existe plus. Je vivrai. Nous vous en empêcherons. Tu feras pas grand chose. Je me suis levé avec assez de pouvoir pour consumer même les santés des lumières. Mais ça tombe bien, c'est ce que je suis. Non. Mais je t'exprime toute ma reconnaissance. Il manquait à Libus, mon ancien Galice, une certaine. Mais Aneska, Aneska. Sa vertu est une source intarissable. Jamais je n'ai manqué de pureté. Je ne l'aurais jamais trouvé sans ton aide. Tu me l'as envoyée. Elle a été loyale et soumise durant tous ces siècles. Ouais, mais. Je vais maintenant lui donner l'étreinte. Elle régnera avec moi, et pour toujours, sur le trompeau de l'humanité. Jamais. Aneska ne vous appartiendra jamais. Elle ne vous est pas soumise. C'est elle qui m'a sorti de ma torpeur. C'est vrai, Aneska. Cher maître, permettez-moi d'élever un trône à votre gloire avec les articulations et les os de Christophe. Ah. Mon dieu. Monstre, je vais vous détruire. Elle est vachement mieux comme ça qu'en Aneska. Elle est vachement plus sexy. Je vous savais machiavélique, mais j'ignorais que vous étiez dément. Serre-moi. Tu n'aimes pas particulièrement les antédiluviens, si. La gêne. La gêne approche. Ils vont tous vous consumer. Toi, Willem. Lily et les autres vampires. Je vais empêcher ça. Je vais vous donner l'éternité. Nous accueillerons le réveil des grands sires avec un déluge, celui de leur propre sang. Un antédiluvien ne vaut pas mieux que 13. Je ne puis admettre le règne d'un seul d'entre eux, encore moins de vous. Ouais. Alors, on va lui péter sa bouche. Que je te donne ta chair, Aneska. Pardon ? Écoute ça. Tu ne peux pas me détruire, mais si tu le pouvais, tu la détruirais du même coup. N'oublie pas qu'elle est ma goule, et qu'après tant de siècles, elle dépend totalement de mon sang. Si je meurs, elle tombe en une poussière millénaire. Et si tu me sais, je te la donne. Jamais. Je vous empêcherai de réaliser votre projet insensé, même si je dois y laisser la vie. Allez, à l'attaque, go. Que ma colère se déchaîne. Il va tellement mourir vu Kodlak. Allez au diable.
Bon, Lily s'est soignée. Allez au diable. Et par contre, il est... Allez. Ok, Lily est morte. Il faut juste que je récupère un parchemin de l'éveil. Ah merde. J'ai besoin de sang maintenant. Voilà. Et toi, mon cher Willem, tu vas. J'ai du sang faible. Je manque de sang. Bon, il faut mourir du code lac. Je manque de sang. Je me sens faible. Je manque de sang. Je fais mal, hein. C'était notre seul espoir. Merde. Zut alors. J'étais persuadé que j'allais pouvoir poutrer Vukodlak comme ça. Cathédrale de Cher niveau 2. C'est celle-là. Chargée. Voilà, j'étais pas allé voir derrière. Ouais, non, mais on s'en fout en fait. Parce qu'on est à la fin. Alors, du coup, j'ai mal géré mon truc. Lily, pas assez. Alors, ce qu'on va faire. Je vais revenir, je fais une petite pause de secondes et je suis à vous. J'arrive. Je suis de retour avec vous. Alors, vu que j'ai mal géré Vukodlak, parce que normalement, il me semble que c'est Vukodlak qui reste. Je crois que c'est le dernier boss. Hein. Je veux pas m'avancer ou je sais pas s'il y en a un autre, mais je crois que c'est le dernier. Vu que c'est le dernier boss, on va direct. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ma chère Lily, tu vas prendre... Prendre un lance. Ouais, mais il faut que tu vires. Faut que tu vires des trucs. Ça et ça, on s'en fout. Voilà. 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 Lily, tu vas prendre le lance-roquette. Toi, t'as pas de flingue. Et toi, mon gros, c'est pareil, tu vas prendre le lance-roquette. Voilà. On va les mettre direct en attaque. On va. Faire une petite sauvegarde de position. Troupeau des Giovanni, théâtre, égout. Où est-ce que je suis? Ah, cathédrale de Cher 2.
Logement 12, enregistré. Voilà. Une petite sauvegarde de position. Salut Ryukoni, ça va? Et puis, on va lui poutrer sa bouche. Allez. Normalement, ça devrait passer. Tac, 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 tac. On va passer les dialogues, parce qu'on les a vus. Voilà. Allez, Vicodla qui s'est pris des roquettes dans sa bouche. Ma chère Lily, normalement... Ah mince, j'aurais pas dû. Attends, ils sont tous morts. Et j'aurais dû prendre des parchemins de l'éveil avec Christophe. Ça aurait été plus simple. Alors, on va recharger la partie. Ouais, ouais, ça va, tranquillou. Ça va, hein, ça va. Hop, on recharge. Alors, vu que... parchemin d'éveil, tu les donnes tous à Christophe. Voilà. Lily, elle a lance-roquette. De toute façon, j'en ai combien de parchemin d'éveil? Est-ce que j'ai le sort de l'éveil? Sort de l'éveil. Figure du sang. Réveillé. On va le mettre à la place des dents. Comme ça, ça sera plus accessible. Et d'ailleurs, les parchemins de l'éveil, on va les mettre. On va en mettre 1, 2, 3. Voilà. Tranquillement. Vous êtes tous en attaque. C'est parfait. Allez, on va se débarrasser de tout ça. Voilà, barre d'espace, barre d'espace. C'est parti. Allez, oh purée. Allez, du code lac, tu vas mourir normalement. Aïe. Christophe va crever parce que... Ah, elle a plus de munitions, il faut une épée, un bouclier et on va lui péter sa gueule. Ah mince, putain, le boulet. Alors... On s'y prend mal. Normalement, ça aurait été bien que je... Ah là là. Bon, allez, on recommence. De toute façon, il faut recommencer parce que c'est tellement mal branlé que de toute façon, il faut tout recommencer. Cathédrale de Cher 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors... Vous avez tous ça. Vous êtes tous équipés du lance-roquette, sauf toi. Mais tu vas quand même t'équiper du flingue pour éviter de te prendre des roquettes dès le début. Ah, zut, ça m'emmerde. Hop, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Tu vas t'équiper du flingue, voilà, et voilà. T'as suffisamment, Christophe. Il faut que je mette le sort de Rez. Ouais, t'as vu le skill. Ce jeu, c'est une plaie. C'est une plaie. Hop, le sort de réveil. On refait une sauvegarde. Cathédrale de Cher 2, la deuxième. On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler...
Vuko en grand. Voilà, voilà. Comme ça, tout le monde est prêt et ready. Allez. Surtout, n'oubliez pas les roquettes d'abord. Allez. Ah purée, mais je me prends des... Lily, arrête de prendre le lance-grenade. Voilà, tu prends pas le lance-grenade, tu prends ça. Voilà. Alors, Christophe, tu vas utiliser ton sort de l'éveil. Voilà. Et ton sort de l'éveil sur lui. Voilà, tu vas prendre ça. Ah, c'est pas vrai, bon sang. Quelle bande de boulets. Putain, on y était tout à l'heure. Bon, en fait, finalement, les lance-roquettes, c'était pas une bonne idée. Bon, hop, on recharge. On va le mettre au corps à corps parce que c'est là où on est vraiment les plus forts. Alors, toi, t'es au corps à corps. Toi, tu vas revenir au corps à corps parce que, bah, parce que tu fais de la merde. Voilà, toi, tu reviens au corps à corps aussi. Et toi, tu reviens au corps à corps aussi. Ça sert à rien. Et on va le bourriner à l'ancienne. Allez. Voilà, voilà. Oups. Je te souhaite la bienvenue en maintenant. J'ai eu une perte de visuel d'un coup. Ça tombe bien. Tu assistes au début du nouvel art. C'est... Oui. Non. Allez, bourrinez-le. Parce qu'en fait, finalement, on se fait plus de dégâts. Quoi ? Putain, il m'a one-shot, le mec, oh ! Il m'a pas one-shot tout à l'heure ! Putain ! Attends, c'est quoi ce bordel ? Putain, déjà, j'ai pas récupéré les parchemins d'éveil. Putain, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Voilà, tu passes tout à Christophe. Tu prends ta hache. Toi, tu prends ton épée. Putain, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, j'ai pas le sort que je voulais avoir, qui m'aurait vraiment facilité la tâche. Forcément, ça aide pas. J'ai les parchemins d'éveil, on en met 1, 2, 3, reprendre, allez. Bon, personnage qui crève d'un coup aussi. Allez, bourrinez-y la gueule. Allez, tout le monde tape, allez, tout le monde tape, on y va, on est tous heureux. Allez, on est tous heureux de le taper, voilà. Allez au diable. Allez, Lily, tu reviens. Oh purée, c'est pas vrai. Ah, elle est bientôt mort. Allez, allez, on y va, on insiste. Oh putain, mais c'est pas vrai. Putain, mais il me one-shot le mec. Sérieux. Oh, non. Oh, non.
Allez, tue-le. Bon. Bon. Ouais, vu qu'Audelac a bugué. Prends tes skills, putain! Sérieux? Alors. Ça me les brise. Donc comme je disais, il y a énormément une différence de niveau énorme entre les ennemis que tu te balades et les... Voilà. Christophe. On va te mettre force du sang. Puissance. Voilà. Allez, on y va. Ouais, c'est chiant comme jeu. C'est pas très très passionnant à regarder. Allez. On va derrière. Allez, tout le monde le tabasse. Ah, Lily, elle est déjà morte, t'es sérieux? Allez, on le fait passer en rouge. Allez. Oh putain, et tout le monde crève. Ouais, c'est bon, ça maintient pour l'instant. Allez au diable. Mais bois ton sang! Allez au diable! Oh putain, j'y étais, bordel de merde! Tu me fais chier, Vuko. Et fais chier, j'ai pas débloqué le sort qui est super intéressant pour l'affronter. J'ai pas débloqué ce sort et enfin c'est pas que j'ai pas débloqué, c'est que je l'ai pas eu. J'ai pas eu le tome de qu'il faut pour débloquer et du coup je me retrouve dans la merde face à cet enculé de sa grand-mère. Voilà. Je suis tellement heureux, je suis tellement heureux, je sens que je vais devoir faire un aller-retour pour monter mes personnages. Et ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Normalement, il est censé crever rapidement en plus. Du coup, tu as les sorts. On va faire un. Ah putain, mais venez, bande de cons, venez. Je vais t'en passer deux autres. Deux autres. Deux autres, voilà. Que ma colère se déchaîne. Voilà.
Bon, j'aimerais bien terminer cet épisode sur Vampire. Ça serait bien, ça serait bien que ça se termine. Hop, je me dirais que ça se met direct en loup. Allez, guérissez-vous, vous avez le pouvoir de vous guérir. Hop, allez, viens, rez. Allez, 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 on y est, allez. Putain, mais sérieux, bordel de merde, tu me tues Christophe comme ça, enculé. Allez, t'es mort, enfoiré, t'es mort. Allez, tuez-le. Il est mort. Allez. Voilà! Tu n'as aucune chance de gagner. Je garde espoir, même dans le désespoir. Tu me fais perdre mon temps. Ma patience a des limites. Ta peau et tes os finiront sur les murs de ma cathédrale. Oh putain, non, j'avais oublié. Non, c'est pas fini. Ah. J'avais oublié que c'était pas fini. Bon. Bah, une petite sauvegarde. Vite fait. Oh, putain. Juste après Vuko. J'étais persuadé que c'était fini. Bon, bah... on continue, hein. Oh là là. Putain, j'ai tellement la colère, là. Allez, butez-moi tout ça. Je pense que j'ai pris quand même pas mal de points d'XP à ce niveau-là. Du coup, on va quand même... Si on peut remonter, on va quand même remonter. Putain, je pensais pas que j'allais galérer autant devant le Godlac. Putain, en plus, c'est sa première forme. Plus personne a de... deux sacs de plasma. Si toi t'en as un, tiens, tu vas. Regroupez-vous, bande de boulets, bien des. Voilà. Tu vas te soigner. Ça va être la galère quand même. I am the wall of memory. I contain the secret thoughts of Nezca. Ah, ça n'a pas été... Ah, les journaux secrets d'Aneska. Bon, bah c'est parti. Le mur des souvenirs. Lecteur du journal. Qu'est-ce que c'est crade? Je suis damné.
Dans les saints ordres, je rêvais de la félicité éternelle qui serait mienne de par ma dévotion pour le Seigneur. Aujourd'hui, l'éternité est mienne, mais pas la félicité. Je vivrai aussi longtemps que le Voïvode vivra, ou aussi longtemps qu'il sera content de moi. La félicité éternelle n'est pas mon lot, seulement le tourment. Et pourtant, j'espère encore. Je vis encore. Oh, Aneska. Alors ça, c'était la première partie du journal d'Aneska. Je sais pas dans quel ordre. Je vis depuis 50 ans. Tous ceux que j'aimais sont morts et enterrés. Mon cher Christophe a péri lors de la chute de Vizérad. Son sacrifice a préservé l'innocence du monde et je m'en réjouis. Mais ma souffrance croît chaque nuit. Je me lève pleine d'un espoir nouveau et le Voïvode prend un malin plaisir à me voir sombrer. Si je perdais espoir, si je m'effondrais comme Libussa, cela signifierait la fin de son plaisir. Mais je ne perdrai pas espoir, même si cet espoir remplit son cœur de joie et le mien de souffrance. Non. Et si. Hop. Depuis plus de 200 ans, j'endure toutes sortes d'humiliations et de souillures. Je ne suis plus la femme chaste et pure que j'étais. L'espoir m'a permis de le supporter. Mais maintenant, je sombre dans les ténèbres. Le dernier souffle d'espoir s'évanouit en moi comme les ultimes bulles d'air s'échappant du noyer. La résurrection de Vukodlak approche. Il a trouvé la seule souillure que je ne puis supporter. Je dois salir les autres en attachant des hommes et des femmes innocents au mur de sa maudite cathédrale de chair. Son pouvoir me contraint et je ne puis résister à un ordre direct. Je puis endurer ma propre dégradation, mais je ne puis supporter de salir les autres. Je crains de me briser comme du verre. Ma pauvre, pauvre Aneska. Tout est de ma faute. Je suis la cause de toutes les humiliations qu'elle a endurées. Christophe, tu peux pas t'en vouloir pour les choix qu'elle a faits. Vous avez peut-être raison. Ce n'est pas de ta faute. C'est du passé, Christophe. Alors, faut savoir qu'Aneska n'est pas devenue vampire, mais Aneska est devenue ce qu'on appelle une ghoul, dans le jargon de Vampire la Mascarade. Et les ghouls, en fait, prennent du sang des vampires. Bon, attends, on va lire d'abord le truc. Sa résurrection approche. Il me demande d'abandonner mes derniers lambeaux d'honneur. Il veut que je fasse le mal de ma propre volonté. Je ne puis m'opposer aux ordres de mon maître. Lorsque je lui résiste, mon propre corps exécute ses ordres contre ma volonté, comme une marionnette. Cela me rend folle. Je dois changer. Plutôt que de résister au mal que je dois faire, j'ai décidé de l'embrasser et d'effectuer mon devoir avec zèle. Alors il me fait des faveurs et me donne plus de pouvoir. Dès mon arrivée, j'étais l'égal de Libussa. Maintenant, j'endosse ses charges, troquant avec joie mon reste d'innocence contre le contrôle sur les affaires des Voïvodes. C'est la seule solution. Oh non, elle a abandonné. Oh, je suis désolé, Christophe. Christophe, ça va? Je pleure son âme. Voilà, donc du coup, ce qu'on appelle une goule. Et une goule, ça prend du sang d'un vampire. En fait, le vampire donne son sang pour qu'elle puisse vivre éternellement, mais elle peut aller en plein jour, qu'un vampire ne peut pas faire. Pour devenir vampire, il faut être vidé de son sang et recevoir le sang d'un autre vampire et remplacer par le sang d'un autre vampire. Là, une goule, en fait, garde son sang, elle reçoit du sang de vampire, et elle peut vivre éternellement. Le gros problème de recevoir du sang d'un autre vampire, c'est qu'on devient, en étant goule, c'est qu'on est lié par son sang, en fait. Ça on appelle le lien du sang, et quand on est lié par son sang, quand il est très élevé, plus on reçoit de sang, plus il est très élevé. Et dès qu'on reçoit énormément de sang, on ne peut plus se contrôler. On est obligé d'exécuter, et on voit le vampire qui nous a donné son sang comme un dieu, comme un demi-dieu, on ferait tout pour lui.
Allez, la suite. J'ai dépassé mon espérance de vie naturelle. Depuis plus de 300 ans, j'ai commis des atrocités dépassant l'imagination. Mais mon plan a fonctionné. Bien que Vukodlak dispose d'un pouvoir extraordinaire, son exil du monde le rend faible. Il devait agir au travers de Libussa qui jouissait d'un grand pouvoir au sein de notre refuge. Mais en quelques années, j'ai usurpé tout son pouvoir pour en faire une misérable exclue qui aide à bâtir la cathédrale de chair. Il y a bien longtemps, le Voïvode lui a acheté son âme en l'échange du pouvoir. C'est une pauvre créature. Il n'y a pas de place pour elle ici, mais elle ne peut partir. J'aimerais pleurer sur son sort, mais je n'ai plus de larmes, pas même pour moi, car le jour de la résurrection approche. Ah, ça me donne la chair de poule. Et elle est censée être la femme la plus pure du monde. Lily, tu peux pas la fermer un peu? Mais c'est pour aider Christophe à l'oublier. La ferme. Lily, elle veut pécho Christophe. Christophe, je suis désolée. Tu dois avoir mal. Si seulement je pouvais... Au diable mes sentiments. Ce soir, nous abattrons tous ceux qui peuplent ce lieu. Ah, il est là, le croisé qu'on attendait depuis très longtemps, là. Bon, il reste 3 entrées de journal. Vukodlak nous a demandé de tuer tous les chefs prémisles la nuit de sa résurrection, au moment même où ils commenceront le rituel qui le tirera de sa torpeur. J'ai bien appris les leçons de la corruption, car j'ai prêté main forte à la résurrection du Voïvode. Au lieu de donner des conseils avisés à Vukodlak, j'empoisonne son cœur à l'égard de ceux qui peuvent accélérer sa résurrection. J'accuse les fidèles de déloyauté, j'accuse les puissants d'une dangereuse ambition, je loue les faibles et les inactifs comme le marchand Orsi et ses fidèles serviteurs. La peur de Vukodlak de perdre du pouvoir est plus grande que son envie d'en gagner. Il croit donc tout ce que je lui souffle à l'oreille. C'est ainsi qu'il ruine sa propre résurrection. Oui. Waouh ! Elle a sacrifié son innocence pour arrêter Vukodlak. Eh oui. C'est pour ça qu'elle fait ça, Lily. Bon. Entrée de journal. C'est crado, hein. Vukodlak est dans une rage folle. Sa résurrection a échoué tant de fois qu'il blâme les simicés de l'Europe entière. Il souhaite transférer la cathédrale de chair au Nouveau Monde, où nous recommencerons. Cette vaste entreprise nécessite de nombreuses cargaisons de terre d'ici. Je suis heureuse car cette folle migration prendra au moins un siècle et retardera d'autant sa résurrection. Et ouais! Dernière entrée du journal. Je ne puis retarder davantage le réveil du Voïvode. Vukodlak a puisé une force énorme dans la peur et les craintes qui s'emparent du monde à la veille du nouveau millénaire. Ces craintes le nourrissent. Et malgré mes efforts, sa résurrection est imminente. Personne ne peut m'aider. Je ne puis espérer qu'une seule chose, le retour du seul homme que craint Vukodlak. Je prie Dieu de nous rendre Christophe. Et voilà, dernière entrée du journal. Libussa est là. On va aller lui parler. Suivez-moi, vite. Je peux vous aider. Pourquoi me prendrais-je à votre piège, servante du démon? Je vous en prie, pour Aneska. Elle a dit que si vous gardiez espoir, même dans le désespoir, il fallait me suivre. J'irai, mais mon épée restera pointée dans votre dos. Allez-y maintenant. Il reste peu de temps. Détruisez-le et anéantissez cette horrible cathédrale. Mon sombre amour. Je vous remercie de m'avoir permis de vous servir toutes ces années. De veiller sur votre cruel visage en torpeur. Ma corruption est complète. Bon ben voilà, merci pour Libussa. Du coup, on continue.
Il y a des ennemis ici. Je sais pas s'il y a des ennemis. En tout cas, il y a des coffres. T-shirt par balle. De toute façon, là, on peut récupérer des trucs. Ah, des parchemins d'éveil, un lance-grenade. De toute façon, je pourrais pas l'affronter dans cet état. Va falloir quand même que j'aille remonter pour aller chercher des sacs de plasma. C'est ça qui est le plus important. Vaccin. Alors vu qu'on a fait toutes les tous les blabla, les trucs et tout ça, je vais faire quand même une sauvegarde parce que j'ai pas envie de recommencer. Voilà. Voilà. On continue. Hop, on remonte sur la cathédrale de Cher 1. Ok. Là c'était fermé. On repart en arrière. Alors je repars en arrière. Je vais vendre tout le bordel, chercher plein de sacs de plasma, mais plein. Tu as survécu. Ah merde. Tu es impressionnant, jeune croisé. Tu as je peux pas me barrer. Ma forme véritable sera la dernière chose que tu verras. Dis-moi qu'on peut lui. Regarde-moi révéler le pouvoir absolu des Voivodes. En fait, ça va être trop une galère parce que j'ai plus rien quoi pour. J'ai plus rien pour le défoncer. Se barrer, il faudrait qu'on se barre. Il faut pas que je l'affronte maintenant parce que je peux pas là, c'est pas possible. C'est où la sortie? C'est pas là. Bon, il m'a pas suivi, c'est pas là. Oh là là, je sais plus où c'est la sortie. Et puis en plus, je vois que dalle. Ah, on y arrive. On y arrive par derrière. Oh là là. Ça serait bien que je puisse sortir et que je fasse le plein de. Que je fasse le plein de trucs. Mais la sortie était pas loin là. J'étais pas loin normalement. Bon sang, bonsoir. En plus, j'y vois rien. On y voit mieux sur le live que moi j'y vois quelque chose finalement. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Parce que la dernière forme, je pense qu'il a, il a pas de magie, mais par contre, il fait super mal. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens, mais vraiment bien. C'est pas par là. Par là. Ah non. Bah merde. Allez où la sortie? Putain, je m'en souviens plus quoi. Pas que je l'attaque. J'aimerais bien trouver la sortie. Ce jeu. Ah ben non, la sortie, elle est en face. Bon, ben écoute, on va voir ce que ça donne. Allez. Ma colère se déchaîne. Ça se trouve, il est moins puissant que le Vukodlak.
Voilà, pour l'instant, il touche pas trop. Il m'a vidé de tout mon sang, cet enfoiré. Non, mais je le tuerai pas, hein. Je le tuerai pas, je vais crever, hein. Là, c'est chiant, hein. Du coup, mon personnage meurt. Hop, voilà, ça c'est fait. Du coup, j'avais voilà, cathédrale de Cher 3. Donc c'est par là. On revient à cathédrale de Cher 1. Là, c'est cathédrale de Cher 2. Faut juste trouver cette putain de sorcier. Mais je sais même pas, je suis même pas sûr qu'on puisse sortir finalement. Parce que j'aimerais pas y passer 300 ans, ça serait cool. Voilà. Allez, transforme-toi, on s'en fout. Bon, ça serait bien qu'on te termine, mais il me faut pour ça, il me faut plein de sacs de plasma, il me faut remonter mes personnages à fond. Bah si. Je crois que c'est par là. Je vais faire un tour par là. C'est bon, on est sorti. Putain, ouais, c'était bien là la sortie. Ok, bon alors, ça va nous permettre de prendre du plasma, de vendre tous les objets qui sont pas utiles, de revenir et de lui poutrer sa face. Et voilà, j'ai envie de le terminer là, on en a chié devant Vukodlak. C'est fait chier, c'est que j'ai pas le sort de givre, je sais même pas quel sort c'est. J'ai même pas le sort de givre et c'est assez chiant. Allez, on va voir la nouvelle lune. On va vendre ce qu'on peut vendre. Hop. Yo. Bienvenue. Alors. On vend, on vend, on vend. Parchemin de l'éveil, on garde. La boule de feu, on s'en fout. On vend. On vend les chargeurs, on vend, on s'en bat les specs, ça on vend aussi. De toute façon, j'ai assez de thunes pour acheter suffisamment de sacs de plasma et pour arroser tout le monde. Voilà, voilà. On vend ça, elle peut pas vendre ça. Ça on peut pas vendre. Attends, on va vendre toutes les munitions parce que ça sert à rien. Et on va remplir tout le monde de sacs de plasma. Comme ça on a la sauvegarde de la fin. Voilà, parce qu'après c'est la fin. Tome de la domination, on s'en fout. Alors complet, ça c'est pareil, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Voilà. Toi t'as les parchemins de l'éveil ici, voilà. Et un sac de plasma. Donc elle, bah, les sacs de plasma, je vais venir les acheter après. Je vais déjà vendre toutes les armes.
Vendons. Allez, viens ici, Michel. Hé, hey, vous avez vu ça? Hop. C'est-il pas beau, hein? Ça, doucement, on... doucement. Hé, hey, vous avez vu ça? C'est-il pas vend... beau, hein? On vend. On va le faire à la main, cet enfoiré. On vend, ça fait plein de thunes. Registre de Bigale, on peut pas le vendre, on s'en fout. On vend. Voilà. Voilà, 2, 3, 4. On est plutôt bien. Ça, j'ai oublié de le vendre. C'est pas grave. Doucement ! Alors, doucement ! On va déposer ça par terre. Allez, on se casse. Direction la vieille. Ah ! J'ai pas vu. Ah ! Oui, je peux me vendre, effectivement. Je peux me vendre. Ça y est, tu reprends la vanne. Putain, il est où le mag? Il est là, je crois. Allez. Alors, Christophe, t'as pas de sac de plasma. Donc, on va direct acheter tous les sacs de plasma qu'il faut. Voilà, tout le monde se soigne. Au plaisir. À fond, utilise ton sort. Voilà. Par contre, pourquoi tu... Voilà, Christophe à fond. Du coup, on va passer à Lily. Et il faut que j'aille faire augmenter mes personnages. Lily, 1, 2, 3. Voilà, 4. Christophe, hop à Samuel. Le métier de troll, c'est ton métier. Et à Willem, voilà, qui lui n'avait pas de sort attribué, à fond, voilà. Et Willem va acheter tous les sacs de plasma. Alors, ça fait... Bienvenue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, de toute façon... Voilà... du coup, on va distribuer. Trois parchemins d'éveil ici, au cas où je doive ressusciter. Samuel 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà. Ah oui, troll un jour, troll toujours. Bienvenue. Alors, fais voir. Toi, t'as parchemin de l'éveil. Non. Alors, parchemin. Sac de plasma, on s'en fout. On en prend plein. Samuel, sac de plasma, on en prend plein. De toute façon, j'ai plein de thunes. Pareil, tu rachètes des sacs de plasma. Les parchemins de l'éveil... Hop, voilà, les parchemins de l'éveil. Non, parchemins de l'éveil. Voilà. Voilà, Lily, des parchemins de l'éveil. Et Christophe, des parchemins de l'éveil. Voilà. Alors, trois parchemins de l'éveil. Ici. 1,
2, 3, voilà. 1, 2, 3. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas trop trop mal au niveau sac de plâtre. Christophe, t'en manques quelques-uns. On va t'en racheter. Voilà, comme ça t'en as plein. Tu vas pouvoir utiliser tous tes pouvoirs comme tu veux. On va aller chez Devnull. Direction Devnull. On est plutôt bien. On est à fond. Direction Devnull. Augmenter les pouvoirs après avoir vaincu Vukod Lag. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne m'ait pas dit d'augmenter. Devnull est là. C'est pas là de toute façon. Il faut que j'aille. C'est où ? Allez, on y va. On avance, les enfants. C'est par là. Allez, Christophe, combien tu es à 6000 points? Est-ce qu'on peut augmenter un truc supplémentaire? Réveiller peut-être? Voilà. 3000 Lily. Guérison du sang. Qu'est-ce que célérité à 3. Puissance à 1. Voilà, ça va te donner un peu de. Voilà. Samu. Pas faire grand chose pour toi. On va augmenter ta force du sang. Et mon gros Willem, t'es plutôt balèze. On va augmenter ta puissance. Voilà. Et. Ordre hypnotisme, cap d'ombre, ta célérité, on peut pas se nourrir, on peut pas. Guérison du sang est à fond. Ok, tout le monde est à fond, c'est parfait. On retourne. Salut Rio, à plus. Merci d'être venu, merci d'être passé. Bon, c'est un stream un peu particulier, vu que c'est un stream épisode en fait. Généralement, j'attends pas forcément qu'il y ait des gens qui viennent, mais c'est gentil d'être passé. Bon, là, on est à fond. Normalement, ça devrait aller. On n'a plus qu'à rentrer dans la cathédrale de chair et lui poutrer sa bouche. Que je mette mes pouvoirs, j'ai force du sang et peau de la spic, ça serait bien, comme ça mon personnage est un peu blindé. Ok, petite sauvegarde. Cathédrale de chair, on est à 4333, centre de New York, les docks. Enregistré, hop, on va l'appeler. Boss de fin. Voilà. Avec point d'exclamation. Voilà. Alors, est-ce que je peux... Alors, j'avais peau de la spic. Je l'avais à combien, peau de la spic? Peau de la spic, protège utilisateur. Voilà. Alors, on va mettre ça à la place de contact de l'esprit. Et puis on est plutôt bien. Alors, 3, 2, 1. Ah, on va mettre tout le monde là comme ça. 1, 2, 3, 4. Allons-y, go! Thank you.
Allez. Voilà. Allez, ça se passe bien. Par contre, Samuel, tu fais pas le con. Hein. Ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, c'est chiant. Hop, peau de la speak. Bute-moi ce Slarta. On boit. Ah merde! On se guérit, peau de la speak, endurance, puissance du sang, on soigne et on lui pète sa gueule. Voilà. Bon, ben c'est la fin pour lui. Mes pouvoirs surnaturels se dissolvent. Je crains pour mon âme après toutes ces corruptions, après tout ce que j'ai fait. T'es canon, Agnieszka, je te pardonne. Mais je me réjouis que mon dernier regard se pose sur vous. Je prie pour qu'un jour, vous puissiez me pardonner. Je vous accorde mon pardon, bien que vous soyez sans reproche et pur à mes yeux. Alors, je meurs heureuse. Et libéré. Agnieszka, mon âme maudite tremble à mes paroles égoïstes et impies. Mais nul besoin de mourir si vous acceptez. Voulez-vous toujours de moi, Christophe? Je n'osais plus espérer. Votre amour m'a soutenu durant presque 1000 ans. J'aimerais vous offrir la rédemption en retour, mais je ne le peux pas. Car je suis damné. Être damné à vos côtés sera la plus douce des rédemptions. Laissez votre amour me faire sombrer et m'élever pour toujours. Je suis... La mascarade rédemption. Enfin, j'ai terminé ce jeu. Enfin, c'est la fin de ce long let's play acharné. Ah, je suis tellement content. Tellement. Mais alors tellement content que ça soit terminé. Parce que ça commence à devenir très long à la fin. Vraiment très très long. Ce jeu est assez répétitif, j'avais vraiment envie de le refaire. Mais à petite dose, enfin, en let's play c'était pas possible et en stream c'est vachement plus adapté.
Mais ça devenait long quand même, parce que le gameplay devenait assez lourd. Bon, on s'en est plutôt très bien sorti à la fin, sans le sort, je me souviens, moi, ma partie. Mais je me souviens de l'avoir fait qu'une fois, ce jeu, parce que... deux fois maintenant, parce que c'était dur. Je suis satisfait de l'avoir terminé une deuxième fois, mais en même temps, c'est pas un jeu qu'on peut refaire assez aisément sans soulever tous les défauts du gameplay. Autant il y a des vieux jeux, on peut y rejouer sans fin et c'est vraiment un plaisir. Autant celui-là, le gameplay est tellement lourd que c'est chaud quoi. On peut jouer à Diablo 1 sans souci, à Diablo 2 sans souci, c'est vraiment un plaisir. Celui-là, en tant que point and click, il y a tellement trop de défauts à gérer ces personnages à côté, tellement trop de défauts à essayer de jongler entre les différents sorts, c'est très compliqué, que ça en devient très très lourd. J'arrêtais pas de pester pour dire que j'avais un sort qui était génial, c'était le sort de glace, que j'ai pas. J'ai beau avoir fouillé tous les endroits, je suis pas tombé sur le tome, j'ai dû avoir de la chance, je suis tombé sur le tome de... je sais même pas quel tome c'est. C'est un sort, c'est juste formidable. Ça gèle les ennemis sur place. Et à fond, il les gèle pendant une dizaine de secondes. Et ça marche sur les boss, et il suffit de faire ça. Et ça permet de givrer les personnages sur place. Et pendant ce temps-là, les alliés tapent dessus. Et dès qu'ils se libèrent, tu regèles. Et tu fais ça ainsi de suite jusqu'à ce que les boss tombent. Surtout contre Vukodlak, c'était chaud. Bon, il y a la technique de je me bourre de sacs de plasma, de sorts de réveil. Et quand je change de personnage, je réveille les autres personnages. Et ça permet de... Voilà, c'est une bonne technique aussi. Mais c'est vrai que le sort de glace, ça fait un peu moins vendu. Enfin, le sort de glace, ça faisait... ça fait un peu plus dans le jeu, c'était plus sympa et tout, ça évite de mourir tout le temps. Voilà, je suis pas mécontent de l'avoir fini, je suis tellement soulagé. Voilà, j'ai terminé ce jeu, je vais pouvoir passer à autre chose et passer peut-être à Vampire Bloodlines, qui est vraiment beaucoup plus intéressant, ne serait-ce qu'en termes de gameplay, de jeu, d'histoire aussi. Bon, l'histoire était sympa, mais c'est une histoire d'amour sur plusieurs siècles et c'est assez sympathique. C'est moins nié en tout cas que Twilight, ça c'est sûr, il y a 10 fois moins nié quoi. Beaucoup plus inspiré des vampires d'Anne Rice que de Papier Twilight comme j'aime bien l'appeler. Mais ça reste simple, alors que Bloodlines, il y a quand même une histoire un peu plus creusée, et même s'il y a des énormes défauts, parce que le jeu, ils ont dû le développer très rapidement sur la fin, et le sortir avec plein de défauts, et pas de DLC malheureusement, le Bloodlines est vraiment un bon jeu quand même. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce let's play très long vous aura plu. J'ai quand même pris un peu de plaisir au début à rejouer à ce jeu. Sur la fin, c'était dur. Même pour enregistrer ce jeu, c'était une plaie. Je vais pouvoir le désinstaller de mon ordinateur. Je suis super content. On va pouvoir passer à des choses vachement plus cool. Beaucoup plus prenant au niveau gameplay et moins punitif au niveau gameplay. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, comme d'habitude. Je fais ma putaclic et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis on va laisser la fin tranquillement. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs. On peut passer en cliquant sur ça. Bah non, il n'y a plus rien. Bah écoutez, ciao !